Hey, bien salut, c'est AG, on se retrouve pour cet épisode 52 de The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Et Oz, il tombe bien, puisqu'il nous a donné une quête secondaire. On va devoir trouver un dénommé Kilton et rechercher des informations sur lui. Alors, on va quitter ça tout de suite. Et logiquement, ouais, il faut juste un portrait robot détaillé. Donc, une photo. Alors, je sais où il se situe, ce mystérieux personnage. Et c'est dans un des endroits qu'on va aller visiter. De toute façon, là, pour l'heure, on va les diriger vers le nord. Et au niveau de la quête secondaire, justement, qu'on a chopée auprès de lui, journal. Alors, c'est pas un sanctuaire, l'émission. Un individu suspect, l'individu qui l'intéresse sera le gérant d'un commerce appelé l'Antre des Monstres. Bah, écoute, on va aller voir tout ça. Et là, une quête secondaire, encore une fois, une offrande secrète. Bonjour. Tu n'es pas du coin, toi, si? Tu es vraiment très curieux pour venir t'aventurer dans cette région reculée. Et qui es-tu? Excuse-moi, je me suis pas encore présenté. Moi, c'est Lasto. J'ai visité tout le royaume, mais il n'y a pas à dire, l'endroit que je préfère, c'est la région d'Akala. Alors, ce n'est pas pour me vanter, mais je connais les alentours comme ma poche. Y a quelque chose que tu veux me demander? Oui, Groseilleux, mais ça, on sait très bien où il est. Parle-moi du coin. Voyons, à l'ouest de ce relais, il y a une fontaine sacrée que l'on appelle la source de la force. Il y a un dicton qui dit à la source de la force présente une offrande sacrée. On l'a déjà fait, ce truc. J'ai pas besoin. Et il y a quoi plus loin? Regarde ici, il y a une maison qui ressemble à un phare. Mais quand j'y suis allé, il n'y avait personne. D'accord, très bien, merci. Sanctuaire à la source de la force. Ouais, mais on l'a fini cette quête. Ah bah voilà, terminé, tu vois. Alors avant d'y aller, hop, on va aller reprendre un cheval. Alors est-ce qu'on prend Blanche ou Weasley? Il est un peu en manque d'affection. Allez, on va prendre Blanche. Toc. J'aime bien cette jument. Les décorations qu'on a mis, etc. La tronche du bonhomme. Oh bah non, Astérix, ça. Hein. Eh merci, hein. Allez, viens par là. Et on y retourne. Juste à suivre le chemin. Bon, des loups, des piafs. Tout doux. Et on y va. Vas-y, Blanche. Montre-moi cette grosse colline. Semblant de chemin aussi. Là où il y a de la fumée. On va aller voir ça. Le chemin s'arrête en plus. Oh putain! Allez. Donne-moi ton corps. Tes vis, tes rouages. Tout ce qui va avec. Petite caresse. Et on arrive. Laboratoire antique d'Akala. Journal. On va parler de ce laboratoire antique. Ah bah tiens, justement. L'autre scientifique, Pruya, vous a suggéré d'apporter à Pharas ces matériaux antiques que vous ramassez. Vous le trouverez au laboratoire antique d'Akala. Ah bah on y est. Donc sur la map. Ici. Il y a du gardien. Hein. Ah, ils sont tous morts. Est-ce que je peux ramasser? Oui, rage. Parfait. Oh, le labyrinthe qu'on voit au nord avec le sanctuaire. On voit une aura orange. C'est des pommes avec un gland. Je prends. Toujours de la bouffe. Ah, et puis en plus, c'est une flèche en bois. Je peux pas. Toc-toc. Les petites bébêtes. Ouais, on peut pas du tout. Oh! Ah, Pumba! Il y a un cerf en plus là. Ils les ont démontés, hein. Examiné, fils antique. C'est gratuit tout ça! Oh, oh, oh. Là. J'ai l'impression que je peux ramasser deux fois le même. Je sais pas si c'est une impression. Bon, lui, apparemment, je peux pas. Complètement dans le sol. Pour moi, c'est en fait de la ressource, hein. Ah.
Allez, monte. Utiliser mon bouclier quand tu veux. Ok, le bouclier, on a récupéré. C'est cool. En train de me regarder. La bonne tête. Bon. Un feu. Si jamais on veut se reposer. D'ailleurs, j'aurai besoin de la nuit pour le mystérieux personnage. On devra trouver. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux des noix grumes, Pharas? Oh, c'est Fagas normalement. Toi, tu ne serais pas Link? Yes. Si tu étais le vrai Link, il y aurait un tas de choses dont je devrais te parler. Mais comment le vrai Link pourrait-il seulement prouver qu'il s'agit bien de lui-même? Ah, mais bien sûr. Il n'y a qu'à me montrer la blessure qu'il a reçue il y a 100 ans, et je serai fixé, c'est simple. Tu veux voir mon corps? Tu veux voir mon body? Je vais te le montrer. Retirer. Et retirer, en slip. Ouais, je me souviens comme si c'était hier de ce corps couvert de cicatrices. Attends, excuse-moi. Voilà, quelques éraflures, mais... sans plus, quoi. Ta blessure a l'air de s'être refermée, mais je sais que c'est celle que t'a infligé le fléau il y a 100 ans. J'admets donc que tu es le véritable Link. Alors, reprenons. Je suis le spécialiste des gardiens, le directeur de ce laboratoire antique. Pour toi, je serai le docteur Pharas. Tiki, tiki. Je te félicite d'être arrivé seul jusqu'ici, cette région est pourtant reculée. Ah, comme ça, tu allais demander de l'aide à cette vieille pruard, c'est ça? C'était qui? Non. C'est une enfant! Quoi? Prua a eu un enfant? Prua a rajeuni. Non! Elle s'est transformée en petite fille, vraiment! Elle peut rien faire comme tout le monde, celle-là. La connaissance est sûrement une expérience qui a mal tourné. Bref, revenons à nos moutons. Tu es au courant que le fléau retrouve peu à peu ses forces? Non, hein? Très bien, alors j'imagine que je n'ai pas besoin de te faire part de notre situation. Dis-moi tout! Bien, je vois, dans ce cas. L'objectif à nous, les chercheurs Sheka, est de débarrasser le monde du fléau, cet être maléfique qui traverse le temps pour ressusciter. Et cette fois-ci, il s'agira aussi de rejoindre la princesse Zelda, retenue par le fléau même. Nous avons réussi à mener nos recherches à bien, mais nous sommes bien trop vieux pour affronter le fléau. Toutefois, tu t'es heureusement réveillé à temps avant que je ne casse ma pipe. L'heure est venue, mon garçon. Il est temps. Toi, il est l'heure de t'allier au Sheka. Par contre, tu parles beaucoup, je commence à galérer, hein, mon tueur père. Oh, mais bien sûr! Toi et moi, nous allons coopérer et vaincre le fléau ensemble. Je vais pas t'embêter avec de longs discours, alors venons au fait. Je vais te fournir un équipement archéonique. Mais, parce que oui, il y a un mais. Mais très cher chéri, je veux dire, mon fourneau Sheka va mal. Je peux pas fabriquer d'équipement archéonique. Ah, il faut encore apporter une flamme bleue du fourneau antique. Le fourneau antique. C'est sérieux, genre retourner ici? Ah non, c'est un individu suspect, ok. Scientifique, hop. Là-haut. Plateau rougeoyant. Très bien. On va aller faire ça. On va se rééquiper aussi, hein, on va pas oublier. Sacoche. Et un mur. Organise-moi tout ça. Encore. Voilà. Par famille, c'est mieux. Allez, Blanche! Alors de ce côté, je vais peut-être pas pouvoir passer. Ouais, il y a de l'eau, il y a un petit pont. Faut que je fasse le tour. On avait vu un chemin un peu plus bas. On va aller voir au niveau de ça. Et ici, ouais, non, faut carrément que je descende. Sinon, on peut vraiment traverser le petit pont. Hein. Là. J'en vois un. Genre, faut peut-être faire tout le tour parce que là, c'est des zones à monter. Ouais, écoute. On va faire le tour. Tu les as? Et on y retourne. Toc. Bientôt. Bientôt, c'était là. Oh,
Ce deux. Alors, qu'est-ce qu'on lui met, lui? Flèche de glace? On en a pas mal. Flèche de glace. Flèche de feu. C'est... Tu te calmes. Wouhou. Raté. Et là, tu vas recevoir... Bon, c'est pas grave. Épée glace, tranche-vent, ouais, les tranche-vent. Hop. C'est moi. C'est bien rien, par contre, j'envoie le vent dans la gueule. Tout doux. Et bien, comme ça. Regarde ton blanche. Donc là, je fais bien le tour. Petit Pumba. Toi. Tu fais pas long feu. Toi, c'était un archer. Tu vas avoir des flèches. Pas de flèches, juste un arc. Dommage. Oh oh, mais il y a du mob, hein. Tiens, forêt. Et... C'est... Oh, j'ai bien aimé le style, comment j'étais positionné. Dans la tronche. Épée royale, c'est là qui augmente l'attaque. Langue épée des glaces, trident des flammes. Allez. Tiens. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme j'ai un truc enflammé? Baguette de météore. On l'éclate. Ça fait de la place en plus. Et dégage. Ok, bon, lui, il est mort, je crois. Et les autres aussi? Ah ouais, moi je les ai tués. Attends, toi. Je sais que c'est de la merde. Mais prends ça. Tranche-vent. Prends-toi ça. Le pauvre. Que des petites ressources, hein. Ouais. Ok. Attends, c'est au-dessus? Ou c'est encore plus haut? Non, c'est encore plus haut, hein. C'est une flamme bleue avec un fourneau. Ok. Alors, pas s'embêter, les bombes. Ok. Attends. J'ai couvert un sanctuaire. Il est déjà marqué. Attends, s'il est déjà marqué. C'est l'étang du crâne. Je peux enlever l'étoile. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est ici. Ok, on y va. Faut que je monte encore. Par où? Parce que là, j'ai pas vu de chemin. Oh, stylé. Peut-être un peu plus loin. Ça monte pas. Elle est pas mort, le sanglier. J'avais cru. Encore un sanctuaire là-haut. Oh. Ah ouais, d'accord. Au niveau de ça, pareil, j'avais marqué. C'était pas forcément pour le sanctuaire. C'était la zone qui me paraissait étrange. J'ai mes bombes. Et tchouk. Tac-tac-tac. Et tac. Allez. Continue à monter, ma belle.
Wow. Là. Tu veux pas. J'ai bien compris, t'inquiète pas. Pierre royale. Par contre, j'ai que des armes que j'ai envie de garder, quoi. Épée de classe. Longue épée de classe. Pierre des cas, ça je peux l'utiliser et combattre avec. Là. Encore au-dessus. Ouais, faut qu'il pleuve, hein, bien sûr. Ça, c'est pas drôle. Il y a des ennemis. J'ai une maison. Ok. Bah écoute, lui. Touk. Ça, c'est fait. Ce qui est un petit peu trop tôt. Parce que le glaive de gardien, ça peut être pas mal à garder. Hein. J'ai que des grosses armes. Épée de glace, trident de glace. Qui augmente l'attaque, l'épée aussi. Et franchement, l'épée, c'est bien mieux. Épée de soldat. On peut pas faire grand chose avec. Ah d'accord, c'était ce gros rocher en fait. J'étais au-dessus. Heureusement que j'ai une torche. Cool. Ah. Toujours du mauvais temps. On a de la pluie encore. Voilà. Comme il pleut, eh ben on ne pourra pas. Par contre, il va falloir du coup que je mette... ouais, que j'avance le jour. Parce que là, s'il continue à pleuvoir, je vais pas pouvoir ramener la flamme bleue. Et on va être dans la merde. Alors, attends. Est-ce qu'on va pouvoir se reposer? Un silex. Où est-ce que j'en ai? Pas ici. Parfait. Et fagot de bois. Ça, normalement, j'en ai encore pas mal. 91. Hop. Une arme pour frapper. Bon, l'épée, non. Ouais, ça. Et on va attendre. Jusqu'à midi. Ça fera une bonne journée. Et le soleil vient de se lever. C'est génial. Ok. Alors ça. Je pense pas que je vais pouvoir prendre ma jument avec. Peut-être refaire tout le tour. Parce que j'ai pas de la bouffe pour... courir ou marcher plus vite. Est-ce que marcher aussi ça fonctionne? La vitesse. Si, je crois que ça fonctionne. Encore pas mal d'ennemis. Hein. Peut-être descendre par là. Là où je les ai tués. Ah bon, caillou, tant pis. Et là-haut. Ah, parce que j'ai débroussaillé le chemin avant. On va reprendre exactement là où on est passé. Comme ça, on évite tous les monstres. Oh, t'es sérieux. Lui, il va me voir par contre. Chut, tiens, la fumée. Petit globe. Chuchu. S'il me suit. D'ailleurs, pas vu, par contre. Il est en train d'hurler là. Ok. Tiens, je vais allumer ça. Ça pourra m'aider si jamais j'ai un problème. Et pas tout refaire. Hé hé. Peut-être des coffres là-dedans. Ouais, faut que je remonte tout ça après. Oh putain. Quand même un bon bout de chemin.
pourrais aussi balancer ma torche, hein, puisque le feu ne s'éteint pas. Hop. Mais on va pas le faire. Parce que ça peut abîmer ma torche. Franchement, si je le balance comme ça. En temps nuageux, hein, s'il pleut. C'est pour ça qu'il vaut mieux allumer les lanternes. Hein. Celles qu'on voit directement. Et des corbeaux. Rien de méchant pour le moment. Oh, t'es sérieux? T'es sérieux de mettre ça tout de suite dans la gueule? Vite! Au moins là! Parfait, je continue mon chemin, rien à foutre. A fini hein, les petits gigas, hein, c'est que des gros. Hein. Et on a un nez! Avec style. Laboratoire antique d'Akala a été reconnu comme point de téléportation. Ah, le jeune Link, écoute-moi. Chérie va mieux, beaucoup mieux. Sûrement grâce au pouvoir de l'amour. Oui, mon amour pour elle a réactivé ma chère chérie. Non, c'est moi. Oui, bon, merci. Tiens, voilà pour toi. Je suis reconnaissant de l'avoir réactivé. Flèche archéonique. Elles sont redoutables entre les gardiens. Ces petits bijoux sont le fruit du savoir secret des Sheka. Pour ma part, je n'ai fait que les améliorer pour en faire. Des armures anti-fléaux. C'est l'équipement archéonique très très performant. Et j'ai nommé ces merveilles les flèches archéoniques. Ma tendre chérie ne spécialise pas uniquement dans les flèches archéoniques. Elle peut aussi fabriquer toutes sortes d'équipements archéoniques. Ça t'intéresse? Eh bien c'est simple. Donne-lui donc des matériaux antiques. Et quelques rubis, et elle s'occupe du reste. Des rubis? Zut, il m'a entendu. Vu que le château d'Hyrule est tombé, nous autres scientifiques manquons de moyens financiers. Dis-toi que c'est un moyen de nous aider, alors donne les rubis. Et allie-toi à nous. Vous débarrasser du fléau. Quête terminé. Bien le salut. Oh, 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 oh. Jambier archaonique. Waouh. 6000, je peux les avoir pour 6000. Défense archaonique qui augmente. Waouh. J'ai bien envie de me les prendre. L'arc archéonique, lance archéonique. Avec un arc. Je prends l'arc. Ça, ça fait 6000 et 7000. Il me restera 800. Pour se prendre, je sais pas, peut-être des flèches. Est-ce que je peux tout faire au moins? Logiquement, ouais. Échanger. Bip, échange en cours. Bip, bip, poupidou. Et voilà, travail au suivant. Oh, oh, armure archéonique. Ça va être bien quand on combat des gardiens, ça. On va les améliorer aussi. Ouais. Heureusement qu'on a refait plein de rubis aussi. Parce que là, j'en ai bien besoin. L'arc. Ah, j'ai plus de place. Ok. On va dégager un arc. Bon, ça, c'est tout pourri. Hein. Hop. Ton arc. Très bien. Bibibipopidou. Au suivant. Et des flèches. 3, 5, 400, 500, ça vaut plus le coup de les prendre comme ça. Ah, on dépense tout là. bon, ça devrait être beau quand même. Très bien tout ça. Oui, Stiti. Ouais, bah, j'aurais connu. Si tu feras A+. Pas besoin de ton aide. Si jamais on veut des équipements archéoniques, on revient ici. Ah, bah si, attends. T'avais une quête secondaire. Excuse-moi. T'es qui? Yahoo, moi, c'est Jérine. Oui, c'est Titi. Je suis spécialiste en antiquité, j'étudie en particulier les sanctuaires. Oh, d'ailleurs, j'ai failli oublier. Link, il faut absolument que tu ailles voir l'œil gauche de l'étang du crâne. Je sais qu'il y a un sanctuaire là-bas. Mais je ne peux pas l'atteindre.
Bien plus d'attitude, plus bas, c'est l'œil droit. Ok. Quête. Quête. Alors. Ma jument est tout là-haut. Peut-être passer par là pour aller plus vite. Allez la rechercher. Allez, on se téléporte. Comme ça, on va pouvoir la récupérer au relais. Ça sera bien plus rapide pour nous. Toc. On a un cheval. Allez, tiens, on va ramener Findus. Et Blanche, tu rentres au bercail. On va te reposer un tout petit peu. Merci pour tout. Alors, si on suit le chemin, donc on suit tourner par là. Hop. Comme ceci, ouais. Puis on va suivre. Jusqu'à l'étang du crâne. On a une forêt octo, pleine d'Andakala. Encore une fois, pas mal de petites choses à aller voir. Et on peut continuer par là. D'accord, tu veux pas y aller? C'est quoi ça? Un truc marron. Quoi, oh, t'as eu un bris chelou? Oh! What the fuck? Attends. Attends. 1, 2. Où est-ce qu'il y aurait un 3? Parce que là, il y a 4 et ici, 5. Ça se cache derrière, ok. Donc c'était ça le bruit que j'avais entendu. Ça, je me suis arrêté avec mon cheval. 4 et 5. Merci, petit cul. Allez, viens par là, on va faire le petit tour. Voilà. Là, il est heureux. On poursuit. Donc, logiquement, du coup, c'est au niveau du sanctuaire, l'étang du crâne. Puisqu'on l'a marqué. On a quoi? Grosse forêt. Apparemment, pas grand-chose. Il n'y a pas de nom. Je vais jeter un coup d'œil. C'est juste un arbre. Hein. Ouais, ça brille fort. Ouais. Bon. Qu'est-ce que je vois? Oh, c'est bon ça. Flèche explosive. Et on va le défoncer. Le Linel. Ce. Elle n'a rien à foutre. Épée de légende, épée de légende. Hop. Petit coup de cinétis. Et ce. Toc. On va changer d'arme. Tiens, on va prendre ça. Voilà les dégâts. Très bien. Non, c'était en arrière qu'il fallait sauter. Wouhou. Tout. Tire. Et j'ai plus le pouvoir. Ouh, ça touche très bien ça. La 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 la. Raté. Et auto-stop.
Ah, ça fait plaisir. Oula, qu'est-ce qu'il nous a fait l'autre? Il nous a feinté. Tire. Fais plus ça, hein. Tu te calmes. Suc. Suc. Ok. Elle va casser, ça sert à rien, je la garde. Hallebarde. Ouais, allez, l'hallebarde. Tuck. Hé hé. Cours. Non, stop. Allez, reviens par là. Hé hé. Kill. Il crache du feu. Souk. Bon, à chaque fois il crache du feu comme ça, c'est pas chier à courir à tous les sens. Allez là, ça va pas passer hein, tout à l'heure. Chouk. Dans ta tête. En tout cas. Au revoir mon arme. Au revoir aussi toi. Allez, t'es dans la glace. Voilà. Ça c'est mieux. Tranche démon. Souk. Et démon. Je vais m'attendre un peu plus loin. Arrête du dieu bestial. Meilleur que celui-là. Celui que j'ai équipé. Alors, on va essayer un peu plus. On l'a peut-être déjà utilisé pas mal. Celui-là, visée rapide, ça peut être pas mal. Je vais le jeter. Ouais, 32 x 5 en plus. Parfait ça. Allez, on y va. On en est où? Bientôt arrivé. Oh, désolé, désolé. Le pauvre. Ah, c'est là où je vais aller boire. Je vois très bien. On va y aller à pied. Hop. On a un caillou, donc un kourougou. Merci. Avec la pluie, ça va pas trop le faire. Et les ennemis qui arrivent en plus. Oh, j'aime bien me mettre au-dessus, comme ça on va pouvoir sauter à partir d'ici en volant. C'est quand même short. Tiens le dragon. Oh oh. Oh, ça peut passer hein. Oh, ça passe tranquille. Tsunakai. Petit sanctuaire. Gratos en plus.
Génial. Et après, on descendra au niveau de l'autre œil. Épée des flammes, durabilité. Regarde. Et donc, on avait aussi une autre quête secondaire pour ici, un trésor caché dans l'étang du crâne ou un truc comme ça. Je vais regarder mes quêtes. Ah, voilà du triomphe. Alors, mes quêtes secondaires, journal, quête, sanctuaire. Est-ce que c'est un sanctuaire? Fossile de baleine. Il y a toujours ce truc à faire, fossile de baleine. Vous pouvez savoir, secret de la montagne. Peut-être une quête sanctuaire. Chanson des piafs, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Vous n'avez pas un truc logiquement avec ça? Un truc qui ressemble en forme de crâne. Bah, l'étang du crâne, quoi. Je lis très vite fait. Il vous en reste 8 à trouver. Ah oui, les pierres, ouais. 55 champis tempo, mais sérieux, lui. Je cherche quelqu'un qui pourrait s'en charger à sa place. Trouver sa valeur. Truc d'eau chaude, cheval squelette. Bah, j'ai que ça après, hein. Bon. Sayo! Bonsoir. Quitton. Oh, tu n'es qu'un Elvien. Qui t'es? Qui? Moi, je m'appelle Quitton. Alors, tu as pris l'existence de l'entre des monstres et tu as fait le déplacement jusqu'ici. De quoi tu parles? Désolé, les préparatifs pour l'entre des monstres ne sont pas encore terminés. Oh, j'oubliais. Tiens, voilà ma carte de visite. Vendez vos matériaux de monstres au meilleur prix. Quitton, gérant de l'antre des monstres. Bon, on va ma carte de visite. Ok, parlons plutôt d'autre chose. Tu aimes les monstres? Je les aime bien. Oh, oh. Et à quel point les aimes-tu? Ah, la folie. Non, je les aime plus encore. Ça gogote. Désolé, ça m'a repris. En fait, j'adore mener des recherches sur les monstres, à tel point que j'ai fini par ouvrir l'antre des monstres. Je me demande bien où je pourrais m'établir la prochaine fois. Peut-être au village de Cocorico ou au village limite. Mais le village pierre-feu d'Omensora sont aussi des choix envisageables. Non, plus loin, il y aurait bien la cité Gerudo. Ouais, bon, blablabli, village des Carailles. Ouais, justement, c'était au village des Carailles, hein, qu'on m'avait dit qu'il y avait un truc avec l'étang du crâne ou je sais plus quoi. Ou alors le lac d'Akala, plus près d'ici. Oui, tant de possibilités, tout plus attirantes les unes que les autres. Pour l'heure, je pars en excursion à la découverte de nouveaux monstres. À bientôt dans un village, et par une belle nuit. Ah merde, il s'est cassé. Je vais prendre une photo de lui. Alors attends, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, à la sortie du sanctuaire, on peut... Ouais, on va le refaire, je vais prendre une photo avant. Ah là là, j'ai pas cru qu'il allait se barrer tout de suite, hein. Allez, on fait un plongeon. D'ailleurs c'est classe ici, hein. J'ai même pas fait attention. Ouais. Alors, appareil photo. Quitton. C'est bon. Ça a pris en compte, ça a pris en compte. Il fallait retourner, ouais, ça fait tête d'oiseau. Hop. Ouais, très vite fait quoi. Allez, on va leur parler. On connaît le dialogue maintenant. Je les déteste. Ah d'accord, bah ils boudent si on dit ça. Je les aime bien. Ok. Non mais ouf. On sait jamais. C'est vraiment stylé. Hein. Par contre, la profondeur, je te dis pas. Hein. C'est vachement sombre en dessous. On a ça. La forêt Octo qui est pas très loin. Avant d'aller rendre la quête, ça pourrait être pas mal. Je le jetterai si jamais j'en ai pas besoin.
C'est juste pour la déconne. Ouais, ça passe par là. Ça va. On n'a pas encore la foutre sur la tronche. Je regardais si mes équipements brillaient. Je vais pouvoir sortir d'ici. Là, c'est tout proche. Et là, on est dans la merde. Archéonique, ça passe. Ça aussi. Très bien. Épée. Ça, bouclier. Ça conduit aussi. Ou c'est juste qu'il scintille. Ah d'accord, c'est juste qu'il scintille. C'est pas pour prouver qu'il y a de la foudre que dessus que ça peut tomber. Lézard. Caverne. Du soufflant. Bah écoute, on va y aller. J'en ai rien à foutre. Apparemment, il n'y a pas de sanctuaire. Hein. On a tout en même temps. J'ai déjà fait celui de l'étang du crâne. Je ne vois pas pourquoi il y en aurait un autre. Il y a des ennemis. Après, j'ai pris une petite photo. Ça ne me sert strictement à rien. Parce que je suis en train de positionner mes mains pour. Hop, la technique. Attends, qu'est-ce que je vois là-haut? C'est quoi ça? Je vois un gros truc. Un linel, encore. On va se le faire. Ah putain, avec l'orage. Ça va être costaud avec l'orage. Hein. Ah, la flèche explosive, ça n'a pas fonctionné aussi. Ok, il va falloir qu'on frappe et qu'on s'arrête pour emballer. Oh là là, la misère. On va essayer de le finir très très vite. Ce que je vais faire. C'est bouffé. Un truc qui donne de l'attaque. 1,40. 3,20. Ça booste que de 2. 3,20. Est-ce que j'aurai besoin de 3,20? Allez, 1,40. Ça devrait être bon. Hop. Tac. Non, je peux pas monter dessus. Ok. Pas de pouvoir. C'est pas grave. Hey, désolé l'espadon royal, mais j'ai besoin de toi. Et en plus il résiste. Ouais, peut-être pas trop gaspillé ce truc hein. Tranche démon. Si la foudre pouvait tomber sur sa gueule. Hop. Attends, on recharge direct. Ok, il m'a pas touché, j'ai voulu foutre un coup de bouclier. Et comme il s'est raté, je me suis raté aussi. Oh. Hé hé. C'est pas ton... Allez. J'ai pas trop envie de le sacrifier, mais bon. Top. Tu te calmes. Et là, mon cheval. Est-ce que je l'ai appelé sans faire exprès aussi? Oh 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 oh. Cours. C'est très dangereux par ici. Il y a les lourds puisqu'ils se ramènent aussi. Oh le bordel. Ah. On va manger. Ce qui peut tout restaurer. Oh, pratiquement tout. Tiens, ça. Ouais, Sky. Touk. Aïe. C'est quoi qui m'a acheté par derrière? Faites les squelettes.
Avec la foudre, la pluie. Longue épée électrique. Raté. Parfait. Ah non, ok. Il a pas chargé. Normalement. Voilà, oh, faut encore plus le bordel. Elle est morte. Bon, moi j'ai plus rien comme arme qui conduit pas l'électricité. Et tous les monstres autour en plus. C'est des fous. Bouclier du dieu bestial. Wow. Regardez celui-là. Je veux pas l'arme. Merci. Oula, la foudre. Putain, elle a pas bougé. Il est costaud, rien que pour ça je vais le prendre. Jeter. Ok. Allez, viens. Eh ouais, mon gros, on a bien souffert là. T'as vu ce merdier? Oh, y a du feu là-haut. Et la forêt octo, c'est derrière. C'est là-haut. Attends, c'est en hauteur. Je crois que c'est en hauteur. Oh, le dragon. Allez, on va voir très vite fait. Comme ça, on aura fait toute cette partie. Il y a pas mal de vide, hein, quand même, hein, je trouve, au niveau d'ici. Avec peu de sanctuaires. On est peut-être raté. C'est pas grave si on peut me suivre. On ira se téléporter après. Et il fait bon. Enfin. Hop. Et au niveau de l'arc. Celui-là. Flèche normale. D'accord, un seul. Kurugu. Sans l'escalier. Ah, c'est cette forêt. Ça se trouve, il n'y a rien du tout. Hein. Mais on va visiter. Dommage, il a fui lui. Oui, bon. Je présume qu'il y a pas mal d'octo. Ouais, c'est ça. Je vais prendre. Toc. Ça. Oh. Look. Quelques rubis. Enfin, rien du tout. J'ai fait fuir l'autre. J'aurais pas pu choper les deux de toute façon. Ça, il est où celui qui me tape? Aïe aïe aïe. Il est là. La colère pour Bossa est à ta disposition. Il court, hein. Enfin, au fond, on va taper par derrière aussi. Tac. Là, il faut bien les repérer. Hein. Parce que si je les tue tous, il se passe quelque chose. J'ai vu bouger. C'est mort. Là-haut. Et elle est mort. Wouhou. En tout cas, c'est pas mal pour les baudruches, si jamais on en veut. Ah bah, je sais pas, apparemment... Rien de plus hein, ici, hein, juste ça.
c'est une petite forêt d'octo où il y a des octos. C'est bien par contre. Je crois qu'on va pouvoir se barrer. Téléporté, je fais vite fait encore un petit tour par l'arrière. Dégage. Un peu plus vers le nord, ça c'est quoi? C'est un sanglier. Ça m'a l'air d'être tout bon. Ok, bon, on va se tirer d'ici. On retourne au niveau du relais. Et après qu'on retourne ici aussi. De toute façon, on pourra se téléporter, il y a un sanctuaire juste à côté. Parfait. Puis, on va rendre la quête secondaire, on va se quitter ici pour cet épisode. Je pense qu'on va y aller. Alors, la quête était toi. Bonjour. Comment? Vous avez obtenu un portrait robot détaillé de ce Kilton? Laissez-moi voir ça. Bonne gueule, hein? Oh, je vois. Il est vraiment sinistre. Ah, je vous remercie. À présent, il me sera beaucoup plus aisé de le pister. Il me faut vous récompenser comme il se doit. Juste un rubis argenté? Ça, je ne le cuirai pas. Ok. D'accord. Bon, bah, c'était juste pour des rubis, mais il faudrait peut-être qu'on le retrouve parce qu'il a dit qu'il voulait s'installer autre part. Et ça se trouve, il vend des choses puisque c'est un marchand. Bref. À voir tout ça. J'espère que tu auras apprécié cet épisode. Et j'ai un rendez-vous pour la suite de Zelda Breath of the Wild. Mais ici, c'est toujours un temps de brin. Il pleut tout le temps. C'est la tristesse. Allez, des bisous. Et à la prochaine. Bah, tiens, je vais faire comme toi, je vais courir. Youhou. Et un petit dodo peut-être. Allez, à la prochaine.